Ou sous Renzi 509, vous faites bon choix. Haïtien tout partout branché émission ça. Nous saluons Haïtien qui est en République Dominicaine, en Argentine, au Brésil, dans le pays Mexique, Canada, États-Unis, dans le pays la Turquie, dans le pays l'Espagne, l'Italie. Haïtien qui en Guyane française, Haïtien qui dans le pays Bahamas, dans le pays Chili. Alors, ça a passé au niveau de Grand Ravine. Faut dire que il y a deux groupes qui a boumé apparemment. Nous dit apparemment parce que finalement, n'a demandé nous est-ce que c'est seulement deux groupes. Mais une chose que nous devons comprendre c'est que même leur nèg vivent ensemble, même leur nèg décidé vivre ensemble et mes nèg toujours été en coup langue avec dents. Nous connaissons que langue avec dents toujours mordi. Et parce que tout certaines fois, chaque groupe gang yo gain objectif pa yo. Et par rapport avec ça qui gagne au niveau de Grand Ravine, non. Mais ça pour nous comprendre, c'est que ou enegyo connaît très bien que la police a préparé opération. Il y a des annonces qui commencent à fuiter, il y a des monde qui ont une série de informations, mais information ça pour qu'on capable diffuser. C'est pour ça nous baille quelques informations avec un pile réserve. Mais information concernait opération qui pourra gagner pour fête. Et par rapport avec annonce opération ça yo, nèg Grand Ravine tourmenté. Gennèg nan Grand Ravine, c'est équilibre bougoy. Nèg yo semblé vle rete nan base yo. Donc si gen pour résister a résister nan base yo. Pas question pour aller l'autre base. Ou pas kon terrain, hein? Ou pas kon ki kote ou caché. Donc ou pas gen intérêt aller dans l'autre base. Mais gwon l'autre bon. Nèg qui affilié avec Tilapli yo, nèg sa yo apparemment t'a déjà installé yo au niveau de Tissous nan Carrefour. Kounya la gon question, pour qui ça Tilapli a installé au niveau de Tissous? Et mais gen raison pour ça. Une première raison c'est que nèg yo a pensé renforcer au niveau de Carrefour Grissier, c'est pour capable fragiliser Muscadet. Nèg yo besoin Muscadet pour capable touyer commissaire du gouvernement. Gen l'autre objectif qui est extrêmement important. Et nous avons dit ça ici, nèg yo a pensé repositionner yo pour pi bien préparer attaque ou bien opération ou bien intervention que la police va gagner pour faire très prochainement. Il est capable de dire nous ça, la police va faire opération. Gen opération qu'a préparé, mais comme dans opération, il n'a pas équipe important pour préparer ses renseignements parce que ça qu'on arrive que ou pas même faire opération bataille corps à corps. Mais grâce avec information qu'on gagne dans renseignement qu'on a géré ou river atteindre cible plus facile et bra permettre de comprendre ça à travers toute l'histoire de Jean Minusta t'est arrivé à atteindre Joel Wilmé sans pas de balle qui t'est tiré et ça li très important parce que au fait le guerre qu'a fait gagne deux bases fondamentales pour apprendre la guerre c'est la psychologie la communication qui fait un seul et puis gagner renseignement donc l'intelligence. Ouais, sous pas fond dans ça ou pas qu'a gagner aucune guerre. Regardez bien, les États-Unis, la Chine, la Russie, yo tout gagné des agences de renseignement qui a fourni information en temps réel. Et parce que l'information c'est le pouvoir. Alors, qu'on y a là, on a regardé ça qui a passé au niveau de Carrefour. Faut dire que Carrefour li gangle net et nous remet parler de ça parce que informateur nous fait connait que si nous partirons sur net d'alarme non nous capable du Carrefour. Nous capable du Carrefour parce que les Carrefour très à l'aise, yo fait coalition et nèg yo installé plusieurs chefs de gang, nèg yo mettait des chefs tant coup selon ça informateur nous dit et Massena, Tigari et nèg yo mettait un certain broussal au niveau de on zone Carrefour côté où il est Bolamé. Donc, dans Bolamé, et monsieur pratiquement a dirigé la zone que il est Raïla. Et puis, par en l'air, il y a de l'autre nèg, et puis, devant, il y a un certain Tigari qui lui-même a dirigé. Donc, ça veut dire, si quand il faut gagner 13 sections communales, je vais vous apprendre ça, il y a plus que une vingtaine de chefs de gang qui, donc, quand il faut lui complètement ganglé. Bah, la triste. Donc, un pile travail pour la police et l'armée d'Haïti et puis la force multinationale. Yo trois qui pral gagner pour former une véritable synergie afin d'attaquer ou bien de s'attaquer aux gangs. Donc, ouais, bah, ça, c'est extrêmement important pour songer parce que pral gagner bataille.
Alors, l'armée avec la police, pas la bataille. Quand t'as dossier l'armée, hein, États-Unis fait réunion pour yo contribuer à remettre l'armée à camper. Et c'est une grosse information puisque depuis tantôt 29 ans, depuis le début de l'embargo sur l'armée, les États-Unis pas jamais entendu pour aider l'armée ou bien pour lever l'embargo et faciliter de notre pays aider l'armée. Mais maintenant, qu'est-ce que les États-Unis ont un monopole sur le système de sécurité, nous, bien force de sécurité, nous? Ben c'est comme citoyens, nous obligeons des dirigeants qui sont capables de chercher de l'autre porte pour permettre que nous recampions l'armée. Parce que nous-mêmes qui sommes Haïti, l'armée qui est une première institution pays à gagner, faut dire que nous obligés de mettre l'armée à camper. Donc ça veut dire, nous capables d'utiliser les ressources nous et puis nous utiliser des partenaires tant que Argentine, tant que Équateur, tant que nous sommes capables de parler de pays la Colombie, même si Colombien. La dernière expérience que nous faisons avec eux là, c'est bien fait mercenaire, je dis à de l'opinion mal passé, mais Colombie était un pays qui a une bonne armée dans la zone. Donc, si nous capables de gagner des pays comme ça, qui ont formé des militaires pour nous, nous avons besoin de plus, non? Et si nous capables de mettre à 8 000, 11 000 militaires pour sécuriser nos frontières, et puis 11 000 policiers fait 20 000 agents dans la force de sécurité, nous, c'est déjà pas tape. Très mal. Donc, on regarde qui ça Salvador a offert nous peut-être. On nous regarde qui ça Équateur, Argentine, on nous regarde qui ça pays la Colombie, on nous regarde qui ça certains pays africains, même du Moyen-Orient capable offrir nous en ce sens puisque dans pile pays là, leur fait classement pour garder et qui j'en l'armée au campé, ou après l'armée au campé solide alors que Haïti lui-même qui gon belle histoire et c'est l'armée qui bat l'histoire, il pas même gain l'armée qui bien campé. Actuellement là. Yon l'autre bois gagne une déclaration que PM Gary Conille lui-même lui fait dans cadre d'une interview que le t'a accordé avec un journaliste RFI côté Gary Conille. Monsieur font déclaration là y a un pile monde qui semblait pas comprendre. Alors, Gary Conille dit en substance c'est force haïtienne qui pourra lutter contre gang armé yo. Docteur Conille fait connaître que force multinationale là pour accompagner la police là dans cadre d'opération mais pour récupérer des territoires qui n'en met bandits. Voilà qui en pile gonflou Gary Conille pas dit à clair que nèg yo pral nan opération avec la police. Mais déclaration ça faut connait que il y a plusieurs aspects. Les médiatiques, les grands aspects diplomatiques et puis le grand aspect politique. Mais ouais, c'est dans retracer l'histoire, n'a besoin de vérité. D'abord, nous disons médiatique parce que les paroles faut qu'ils passent dans les médias pour nous parler de lui, pour nous analyser, mettre flou à même et pour tirer ça qui est bon pour Conille et ça qui pas bon pour lui. Et l'autre aspect, son aspect diplomatique. Ou dans la diplomatie, il est très rare pour que un diplomate parle pour lui annoncer la guerre. Ou bien pour le parler de un pays qui va l'envahir, ou bien pour le parler de la guerre contre le terrorisme. C'est difficile. Toujours qu'on fasse pour soigner l'engagement, toujours qu'on flou pour mettre, pour éviter que y ait déjà commencé à cataloguer comme ne qui va faire la guerre, coûte que coûte. Et puis, un aspect qui est très politique, c'est peut-être mettre en confiance, non, en certain sens, monde qui a fait politique là, ou bien monde qui bien monde qui a fait politique, comme quoi, bon problème qui pral résoudre. Donc, en façon pour classe politique la capable d'embrasser cause là, parce que quand pile la guise de bouton de haut jour, il va le bataille contre gang, il va le tuer gang. Quand il va sauter, parce que c'est nek sa yon en pile fois qui compte déjà alimenter gang yo, qui vient perdre du contrôle par la suite, et qui toujours souhaite que gon minimum contrôle parce qu'il y aura des élections. Donc, aspect sa yon extrêmement important pour considérer. Mais, comprenez bien que, par rapport à la déclaration, ça que un peu monde pas comprendre parce que un peu monde dit si force multinationale là pour qui ça pas capable activement impliqué dans faire opération. On dit nous que faut regarder ça fait déjà pour nous connaître ça qui pral passer dans pays ça. Assad Volsi dans cadre émission li, li vraiment font belle analyse côté regarder l'histoire pour montrer vérité et retirer flou par rapport avec déclaration que premier ministre fait. Nous invitons à écouter dans l'interview que
Monsieur Bay, journal RFI, radio RFI. Gaïko ni dit, il a posé la question. Et comment on t'a dit bataille pour le mener? Combien force, combien policiers kenyans qui en Haïti comparé à nombre de bandits qui armés aguerris dans ghetto? Eh bien, monsieur répond pour dire que c'est la police avec l'armée qui a une mission de combattre bandits. Et que les forces kenyanes ou la force multinationale, les mêmes la comme responsabilité pour l'appuyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ces paroles, ça, ni même tout, nous ne pas comprendre. Et ils ont raison. Si c'est effectivement, selon Mounio, c'est là ça m'entendait. Si c'est la police avec l'armée qui prend le combat bandit, à quoi bon de faire venir une force multinationale qui a mobilisé près de 600 millions de dollars américains? C'est ça Mounio dit. C'est question ça y a posé. Si c'est la police avec l'armée qui a une responsabilité pour gouverner avec bandits, à quoi bon de faire venir une force? Et c'est la question que plus de se pose. Et me tendait l'empile. Ça veut dire un appui à la police. Là. Il est capable de diversement interpréter. Parce que ça veut dire que nous venons là pour nous former les policiers. Nous, pour nous vouer à l'algoumen. Et ça veut dire que il y a venu avec des matériels de char blindé, de X et de Y, de ZAM, toute qualité, de moyens de communication pour capable faciliter job la police avec job l'armée. C'est une question sérieuse qu'à poser. Ou bien, on a pu avait dit, il y a souterrain tout, on a combat pour combattre gang yo. Ouais, parole ça, hein? Nous ne pas comprendre ni. Ça aussi doit être clarifié. Et il y a même des paroles, ça, moi-même. Je suis allé m'informer pour savoir de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit? Parce qu'il y a des non-dits en politique. Mal gardé dans la police, ça pour me demander, ça veut dire, pour yo. En appui. Mal mandé dans le gouvernement, ça veut dire un appui. Ça veut dire que c'est l'armée et la police qui prennent le combat de bandits. Parce que moi, on va chercher à comprendre ça, on nous l'a dit. Je n'ai pas parlé encore avec le Premier ministre. J'ai parlé avec des membres du gouvernement. J'ai parlé avec des membres du haut commandement de la police. Mais en même temps, tout, je me suis référé à ce qui s'est passé. Dans le temps, à l'histoire, parce que c'est la première fois, force étrangère entre en Haïti. Et quittez-moi rappeler nous-mêmes qui avons suivi l'émission là matin. Mes auditeurs, nous sommes capables de dire très avisés que le discours n'a pas changé. Que le terroné préval, que le la tortue, que le Jovenel, que le Martelly, que le Aristide, que de whatever moon qui a recevoir une force étrangère dans le pays qui pour une ville aider mais les combats contre bandits, ils ont toujours dit c'est un appui à la police nationale d'Haïti. Mais en appui, si je me référais moi-même et en 2004, quand les forces de la MINUSTAH étaient venues, ils ont venu tout en appui à la police nationale d'Haïti. Mais quand il fallait intervenir à Cité Soleil, ok, pour tuer Dieu d'où il met,
Ce sont les soldats brésiliens qui ont mené l'opération qui a abouti à l'assassinat de Dwight Wilmé. La MINUSTAH a été mobilisée. Attendez bien, oui. Je m'en souviens. 30 chars blindés. Et là, ça nous est là, non? Et véhicules de transport de troupes que nous avons là, d'après les chars blindés. On va parler de bons chars à chaîne. Ils ont encerclé Bois Neuf. Ils ont mis 6 hélicoptères en l'air. C'est au 6 juillet 2005, si je ne m'abuse. Ils ont mobilisé presque 300 soldats, MINUSTAH. La police était là tout. La police était là tout. Après 6 heures de temps de combat, et puis Dieu lui met tombé. Mais c'était un appui à la police. Mais ce sont eux qui ont mené l'opération. C'est un autre genre de là. Ça fait l'aime de parler à moi-même. Je ne vais pas paniquer. Parce que si je fais mal histoire, moi, ça t'a voulu dire. Ou bien ça voulu dire. Naturellement, il faut moins dire non. Et ça, c'est la petite histoire. C'est pas. Soldat MINUSTAH qui tuait Dieu Dulmé. Pour Dieu Dulmé était mouru, eh bien, la MINUSTAH qui utilisait le renseignement, intelligence, il a acheté tout bodyguard Dieu Dulmé. En vain opération. Mais qui tuait Dieu Dulmé, il est tout mouru. C'était plus gros lieutenant Dieu Dulmé de gain. Voilà, et comme si moi, monsieur de Rome, là. Nous sommes monsieur, comme je dis. Parce que l'homme d'Al, ouais, Dieu lui, il met Bois Neuf, comme journaliste radio Solidarité, pour interview avec, pour comprendre le sens de sa bataille, il démontre tout mouru. Parmi tous les soldats, il y a environ 100. Pour te dire que papa m'a tourné quand même. Je si papa, Aristide. Parce que bien dit, c'est une famille, c'est la vie. Et bien, il a acheté Dieu Dulmé. Il a acheté tout le monde. Pendant Dieu Dulmé, devant, parce que Dieu Dulmé, qui est toujours devant. Pendant qu'il y a un soldat, le goumé. Il a progressé dans le corridor, et puis tout le monde. Tirez sous monsieur. Et bien, il m'a écrit dans le livre. Ma banou là. Il est tellement vrai. Et c'est pas eux qui tuent Dieu Dulmé. Ils ont jamais vu un cadavre là. Vous entendez? Ils ont jamais vu un cadavre là. L'autre soldat, ils ont pris un cadavre là. Ils ont goumé. Ils ont fait plus de goum avec MINUSTAH pour cadavre là que pour empêcher Dieu Dulmé de mourir. Ils ont goumé MINUSTAH. Finalement, ils ont pris un cadavre là. Et nous songeons enterrement Dieu Dulmé, pas le fait. Et on a dit à plus de 300 000 mouns. C'est ça, en blanc. Levé pour venir crier pour Dieu Dulmé. Ça, c'est la petite histoire. Les livres la sortie n'a qu'on est. Parce que j'ai vu et j'ai entendu. Pourquoi ça vous allez par ça? Les articles général Heleno, un Brésilien, qui ne voulait, dans un moment, je ne sais pas, jambler. Et Alphé, M. Doul, il dit, moi, je ne peux pas faire massacre dans le quartier populaire, dans la favela, je suis sorti. C'est même genre avec le Brésil. Finalement, ils vont côté le tuer de Dulmé. Mais c'était toujours un appui à la police. Un appui. Là pour prendre Evans Sikuto, qui était un buveur de sang dans Boston. Evans Sikuto, son nègre. Bon le. Comme journaliste, en m'entraîne dedans. Je ouvre un bout de caille, ben moi. Je prends un couteau, je passe dans une boîte de carton. Moi qui boîte de carton, moi c'est quelque chose de lettre ou bien marchandise. Et rap, je me dis, mais balle qui vide à terre. Je dis, je vais balle là pour me goûter pendant 2 ans avec le ministère. Ok?
Eh bien, les pour prendre monsieur. Ministre mobilisé. Il mettait deux hélicoptères en l'air. Parce que Préval devait venir de côté, Préval passer dans l'autre phase là. Préval dit pas de négociation. Nous lui dit négociation finie. Et puis le bail l'ordre, il dit marchez prend monsieur. Et bien, il mettait deux hélicoptères en l'air. Sous tête Boston. Soldats ministres à 5 zones. La police a fait pénétration. Et puis l'air. Et 20 couteaux commencent à prendre. Bombal chaud. Je dis que tu commences à perdre du soldat. Je recevons la pluie balle des hélicoptères étant. Et puis finalement, je vais monsieur là à long bout de toile blanc. Et je mets ton combien de gaffe, je dis monsieur, déposez les armes. Déposez les armes. Blanc pas la cuisine en l'air. Et puis monsieur prend un drap blanc. Et puis il monte. Drap blanc. De monter drap blanc, je dis. Capitulez. Monsieur capitulé et puis on descend de premier monsieur. Mais lui-même, il reprend le vif. Et puis on mène monsieur à la prison. Et monsieur mourit en prison. Ou façon, pour moi, deux exemples ça, pour me dire nous. L'autre, on dit nous. C'est pas blanc qui a fait bataille avec bandits. Comment on dit parole. Hein? Moi, c'est la police qui a fait. T'as dit la police fait? Hein? Naturellement. On a pu avoir dit, effectivement, la police parlait plus de moyens matériels. La bien bon blindé. La bien des soldats qui plus aguerris. La bien bon moyen de communication. Yo ka yon voleur, l'entendu bouye tout onde ki genye en dan yon ghetto yon vle intervenu. Yo ka coupé, yo ka bouye tout communication dans zone si yon vle. Pour nek pa communique ak nek. Naturellement, ça m'a dit là, autorité pa ka dil. Ou bien j'ai fait job là. Pour me dire si je me référer à l'histoire. Hein? Écoutez. Parole de douce, c'est pas. C'est là avec la police là. C'est une parole. Et son bandit quoi dans ça, il trompe. Ah oui, il trompe le. Monsieur, Fosca vin là, Livin Goumé. Et dans le goût, Melvini. Ok? D'ailleurs, si nous référons à la résolution de l'ONU, la résolution très clairement dit force là pour aider à démanteler les gangs. Et pas ça le dit. Hein? C'est ça le dit. Donc, si la résolution en dit et c'est gang la vienne démanteler, mais après il a qu'à venir flâner, il a qu'à seulement en appui, après on appuie tout, on appuie à Bédi, appui logistique, appui matériel, mais appuie tout au combat. On va nous deux exemples de l'histoire. Ok? On va nous deux exemples de l'histoire qui montrent que on a qu'à nous l'autre toujours. Après 2004, les dias yo. Le premier groupe qu'on a dit, c'est les DIs américains. Après 2004. Pour venir sécuriser. Eh bien. C'est un appui de vidéo de venir établir l'ordre. Eh bien. Les nègres avaient intervenu dans Bel Air. Pas de gaffe, on a appui à la police, non? On ne va pas non blague, ça qui est arrivé, Bel Air. On dit non, c'est grand. Alors que, j'aime dire que son bataille politique qui t'a fait Bel Air. Mais une bataille politique armée. Avec Jude Mackenzie. Hein? Timon Aristide toujours. Eh bien, n'est-ce pas tellement. N'est-ce pas qu'on a fait sous Bel Air. Il a tiré chaque soir. On zame, ça a tellement tiré puissant. Blanc paniqué. Qui ça a été? Ça a été reconnu. On cabi.
Les blancs de cas, bah la fête blanc qui m'a dit ça, pourquoi je m'en des âmes dans la ville. Et bon, bonjour blanc arrosant l'air. Bonjour blanc arrivé, blanc débarqué. Non, nuit, blanc volant, lumière en l'air. Belef, regardez, même si je dis on épingle petite tête belle aujourd'hui. Et bien on marche pour les gars. Mais vous savez, vous avez dit que vous avez fait jouer. Non, vous n'avez pas essayé.